Salut, c'est Thomas, Français Immersion TV. Dans cette vidéo, on va voir comment dire beautiful en français. Elle, c'est Marion Cotillard. C'est une actrice française et moi, je la trouve jolie. Elle est jolie. Il y a plein d'autres mots pour dire que quelqu'un est joli. Par exemple, belle. Elle est belle. Ou on peut dire aussi, elle est mignonne. Mignonne. Et il y a 4 autres mots que j'aime beaucoup pour dire qu'une fille ou une femme est jolie. Ravissante, charmante, charmante et séduisante et élégante. Elle, c'est Catherine Deneuve. C'est une actrice française. Elle est élégante. Elle est ravissante. Tu trouves pas? Dis-le-moi dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Ça, c'est le langage courant. Maintenant, on va voir le langage familier. C'est-à-dire qu'on va dire à une femme qu'elle est jolie en utilisant un mot qui, lui, n'est pas très élégant. Par exemple, canon. Un canon, c'est ça. C'est une machine de guerre. Il n'est pas beau. Et pourtant, quand on dit à quelqu'un qu'il est canon, ça veut dire qu'il est beau ou qu'elle est belle. Par exemple, Marion Cotillard est canon. En fait, l'origine viendrait peut-être du bruit. Le bruit est si fort, c'est comme un énorme choc. On est abasourdi par la détonation. Elle est tellement belle qu'elle provoque en nous une explosion d'émotions. D'ailleurs, il y a l'expression « c'est une bombe ». Une bombe, c'est ça. Boum ! Tous ces adjectifs là, jolie, élégante, mignonne, belle, ravissante, charmante, séduisante, ce sont des adjectifs au féminin. Maintenant, nous allons voir les adjectifs masculins. Par exemple, belle devient beau au masculin. Par exemple, il est beau. Ou on peut dire aussi, il est mignon. Tu as entendu la différence? Mignon, mignonne, mignonne, mignon. Maintenant, ravissante, charmante, séduisante et élégante sont presque pareils au masculin. Élégant, ravissant, charmant, séduisant. Georges est élégant, il est séduisant, il est charmant, il est ravissant. On peut dire aussi qu'il est canon. Par contre, on ne peut pas dire c'est une bombe parce que cette expression-là est plutôt réservée pour les femmes.
Tu as vu? Il y a plein de mots pour dire que quelqu'un est beau. Oh, il est mignon. Oh, elle est jolie. Mais attention aux mots bon et bonne. Si tu veux dire qu'une femme est belle, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle? Là, on comprend qu'elle est jolie. Mais maintenant, si tu dis waouh, qu'est-ce qu'elle est bonne? Cette exclamation peut avoir une connotation sexuelle. Quand on utilise les adjectifs bon et bonne, c'est pour parler des qualités de quelqu'un. Par exemple, Georges, c'est un bon acteur. Marion Cotillard, c'est une bonne actrice. Quand on dit que quelqu'un est bon ou bonne, ça signifie que cette personne est généreuse, elle est gentille. Par exemple, là, elle donne de l'argent à une pauvre dame. Je peux dire, elle est bonne. Je ne parle pas de son physique, non, je parle de ses qualités. Elle est bonne, elle est généreuse. Alors s'il te plaît, fais juste très attention quand tu utilises les mots « bon » et « bonne ». Et toi, quel acteur ou actrice trouves-tu le plus séduisant ou séduisante? Dis-le-moi dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like. Inscris-toi à ma chaîne YouTube. Would you like to watch more videos in French? Subscribe to my website and you will receive videos in French for more than 2 hours. Les 7 secrets pour apprendre le français or the 7 secrets to learn French. To immerse yourself in French plus the transcription in French and the translation in English. And it's free! Thank you for watching Français Immersion TV. À bientôt !